Bienvenue au merveilleux spectacle de la vie. Approchez, approchez. Écoutez. Il était une fois une jeune et jolie demoiselle. À la peau blanche comme la paix et au regard doux comme l'étreinte d'une mère à son enfant. La jeune et jolie demoiselle est à la recherche du merveilleux, du fabuleux, du fameux prince charmant. Elle est sous le charme des belles histoires que l'on raconte aux petites filles aux yeux déjà amoureux. Quoi ? Elle est peut-être par ici, qui sait ? Entre. Cherche. Elle est à la recherche d'une vie de rêve. Rêve de toute une vie. À la recherche périlleuse du paradis amoureux, le paradis des sentiments qui ne meurent jamais. Eh ben alors, ma chérie, qu'est-ce que tu me fais ? Bon, déjà, tu vas pas te décourager, mais elle est pleine d'espoir. D'abord. L'histoire ne fait que commencer. Pense à ta vie future. Il faut y croire. Allez, allez, lève-toi. On ne devient pas princesse d'un simple claquement de doigts, ma fille. Il faut le mériter. Peu de magie, crois. Plus que des choses. Tout va bien. Le trac. Mesdames et messieurs, l'histoire continue. Arthur, Thibault, Godefroy, beaucoup. Thierry, à la fin. Perceval, passionnément. Géant, éperdument. Isela, extrêmement. Geoffroy, Bayard. Qu'importe le prénom, qu'importe la forme au fond, si le prince est charmant. Enchanté, madame Charmant. Ça t'ira bien, tu sais. C'est cela qui importe. Un plan de temps. Le temps est venu de trouver Marie. Marie. De trouver sa moitié. Cet être qui fait qu'on est du verbe être. Qu'on est du verbe être. Qu'on existe. Quoi de plus joli, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, que de rêver d'un amour éternel de nos jours, de rêver d'un amour féerique, d'un amour que l'on pensait disparu depuis belle lurette, d'un amour qui rendra jaloux les plus amoureux.
Rêver pour que rêve devienne réalité. Rêver pour vivre une vie de rêve. Et même si la route est parsemée d'embûches, traquenards et autres embuscades, même si la ruelle est peuplée de sacripants, de malotrus, de gredins mal intentionnés, suis ton instinct, n'écoute que la petite voix qui te guide. Même si le passage n'est éclairé que par la peur, le doute et l'incertitude, notre héroïne d'aujourd'hui trouvera-t-elle son âme sœur ? Réussira-t-elle là où les autres ont échoué ? Bien sûr que oui ! Pourquoi, me direz-vous ? Mais parce qu'elle le veut plus ! Parce qu'elle se battra plus ! Et puis cette pauvresse de Cendrillon l'a déjà bien fait, alors ? Son avenir. Alors, elle avance, les yeux fermés. Ne rien voir. Ne pas se retourner. Crois ! Oui, cours ! Frappe ! Crie ! Fais-toi entendre, demoiselle ! Qu'il entende ton cri d'amour ! Tout le monde entendit. Tout le monde encouragea la belle. Encore une qui y avait cru. C'est dommage, mais elle avait l'air gentille. L'histoire ne dit pas ce que devient la princesse qui ne sera jamais princesse. Probablement se mariera-t-elle et aura-t-elle 3 mouflets et 30 vergetures avec un certain monsieur Kidam. Probablement la princesse s'appellera Madame Kidam. Elle sera amoureuse toute sa vie et vivra autant de jours aux côtés d'un autre.